Bonjour tout le monde et bienvenue. Chose première, chose due, Gears of War 5. Allez, on va le tester. Je sais pas si ça va aller jusqu'au bout. On va faire une petite heure déjà pour voir qu'est-ce que ça donne, voir les nouveautés, voir les graphismes, voir un petit peu tout ça, le level design, voir qu'est-ce quoi on peut s'attendre. Alors, waouh, ok. Alors ça, hop, hop, par défaut, violence, oui, mode daltonien, non, t'as la police, moyen, ok. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, non, mais tu es fou. Alors, le Bordel, mon camp Walker, ton d'entraînement. rapport. Hey Baird, il va faire noir encore longtemps là-dedans? Attends, dans le noir? T'es où? Où tu m'as dit d'aller? Oh merde, la communication. Dave, réapparition. Bon, est-ce que tu vois Dave au moins? Bon, ça, ok, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Levez les yeux, Dave il est là, ça marche. Putain, c'est inversé! Ah, il est là, là, tu te fous de moi ou quoi? vers le haut en poussant vers le bas. Inverser les paramètres. Voilà, n'importe quoi. Qui c'est qui met ce genre de paramètres là? Tu veux bien le panier? Ah, les lumières déconnent. Iris, ouvre les portes. Certainement, démon. Mais qu'est-ce que tu fous? Hey! Oh, que c'est beau! Module, attends, on va te faire redescendre. Oh oh. Hey, tu peux me rappeler pourquoi tu m'as tiré de mon pieu déjà? Bien, je voudrais mettre à jour nos bots pour qu'ils puissent combattre la vermine. Tous tes mouvements sont enregistrés grâce au capteur de ton armure. Hey, ah, ça a de la gueule. Ah, ça a de la gueule. Ouais, ça peut se faire, c'est vrai. Bel atterrissage, Baird! Merci! Il faut calibrer ses capteurs! Alors je suis Dave! Par contre, on peut pas le zapper, ça? Oui! Merde, dire que je pourrais être en train de déjeuner! T'auras les crêpes quand on aura fini, petit! Ouais, mais on connaît, s'il te plaît, on connaît! Oh là là là! Ça, c'est embêtant, ça, tu vois? Ça, c'est le truc qui te. Non mais c'est une blague là Dave, vas-y. Ok lieutenant. Je mettrai ton tag com un jour après chaque tâche. Voilà. Regarde-le. Ah, regarde. Alors le tag tom, ok. Génial, c'est top. Bref, utilise le pavé du génial. Excellent. Iris, lance le module suivant. Tout de suite, démon. Bien. Si on veut des devs aptes au combat, faut déjà qu'ils sachent se mettre à couvert et en tirer parti. Comme tu le souhaites. Avance sur le prochain abri. Voilà, après. Ah, il me l'a pas validé, d'accord. C'est pas grave. Hop là. Super. Maintenant, déplace-toi vers l'abri à côté. Non, pas comme ça. Réessaye. Ah là là. Colle-toi au mur et bouge vers la gauche. Comme si on te tirait. Mais qui ne connaît pas Gears of War? Bien, tout est en ordre. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bon, par contre, c'est. On peut toujours les toucher. C'est beau. C'est à toi de l'abri et brise la ligne de mire de Dave pour qu'il se déplace comme de vrais Gears. Ok, je suis chaud. Dave, utilise ton laser de visée.
Oh, t'arrives pas à me trouver. Et arrête de te lever quand tu fais ça là. Oh, encore raté. Hey, tu sais quoi? C'est plutôt marrant. Non, c'est plutôt chiant, hein. Parfait, encore un enjambement et on aura vu tout le module. Et toi, couvert près de Dave. Maintenant, fais un enjambement. Bien. Alors, comment tu te sens? C'était juste allez, une chose. Iris, active la tranchée de course. Certainement, Damon. Courir à fond tout en baissant la tête, c'est pas inné, chérie Bot. Alors, on va leur montrer comment on fait. Arrive de l'autre côté avant Dave. Mais facile, allez. 3, 2, 1. Oh, ça a le don de m'énerver, ça, les didacticiels, quand tu connais le jeu, c'est un truc de ouf. Bien, maintenant, reviens au point de départ avant Dave. 3, 2, 1, go! Oh, enfin, Dave, il triche là, il vole lui! Trop lent, Dave! Parfait, bon boulot! Oh, enfin, il m'a mis une piche quand même, hein! Tu verras! Non, non, continuez, continuez! Toujours la même démarche que toi en sprintant! Mais je connais, vas-y là! Pas trop tôt! Le module de tir a été placé. Ouais, il est bien quand même, franchement. Ouais, j'aurais peut-être se le faire quand même. Ça m'embête, allez, hein, parce que là, il y a tellement de trucs à faire! Une arme équipée d'une tronçonneuse, c'est forcément un bon choix. Ok, petit, gardien en approche. Allez, on prend tout. Gardien à DevBot en service. Bon, vise correctement. Les DevBot adorent tout le jeu. Donc, corrigez ça. Je sais comment tirer avec un flingue. Ok, tu vas essayer d'utiliser le tir à l'aveugle pour les détruire, tout en restant protégé à couvert. Hop. Unité opérationnelle, il faut revenir. On va prendre le tir à l'aveugle, c'est pas pratique, hein. Voilà. Voilà. J'ignore pourquoi, mais les DevBots sont incapables de faire un rechargement parfait. Montre-leur comment on fait. On récupère des petites munitions quand même, voilà. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je l'ai fait effectivement, je l'ai fait correctement. Il reste bloqué ou quoi? Ah oui, d'accord. Attends, j'ai cru que ça avait. J'ai cru que ça y est, c'était fini là. On va corser un peu les choses. Tu peux éliminer une cible en mouvement? Oui, bien sûr. Problème. Un jeu d'enfant. Bien, on va enchaîner avec les explosifs, d'accord? Prends des grenades à fragmentation dans l'atelier. T'es sûr de vouloir voir les DevBots balancer des grenades? C'est les amis où là? Non. Ici. Bien, maintenant, équipe-toi. Iris, voilà. Je veux dire des volontaires que le lieutenant Walker pourra faire. Allez, on connaît, on connaît. C'est embêtant qu'on puisse pas le passer le didacticiel, hein. Franchement, merde. Je suis deg. On va faire sauter les DevBots, va les entraîner. J'ai envie de jouer là. Je comptais récupérer des pièces dessus. C'est beau, qu'est-ce okay. que c'est. Pareil beau. Que pour le tir. Baisse la tête et balance la grenade à l'aveugle. Norme de sécurité citoyenne désactivée. Allez, tiens. Désolé, petit, reprends les grenades si t'es à sec. Système de sécurité citoyenne désactivé. C'est pas ça, c'est qu'on... C'est bon, on va pas faire que ça, quand même. Tu veux pas m'écouter, hein? Ne vise pas, lance à l'aveugle, s'il te plaît. Norme de sécurité citoyenne désactivée. Ah, l'aveugle, pardon. Boum! Les yeux fermés! Parfait. Maintenant, ouvre les yeux et vise les autres. En arrière, tu vises, tu lances. Alors...
Excellent. Ce module est quasiment terminé. Tu te sens prêt pour un exercice de tir réel? Oui. Est-ce que Marcus aime les tomates? Mais oui, bien sûr. Oh là là, je suis dégoûté de me taper de ça. Un didacticiel. Les devbots veilleurs utilisent des munitions de choc. Éliminez-les. Aucun problème. Vise la tête, ils tombent plus vite. Tant mieux, je crève la dalle. J'alterne enfin un feu et explosif. N'utilise pas toujours la même chose. Équipe potentielle trouvée. Prenons nos marques, citoyens. Usage de la force autorisée. Ouais, on peut utiliser la même chose. C'est Papa Gear ce qu'il m'a dit. Ah, je comprends mieux pourquoi il faut ces données. Les trucs tirent comme des pieds. Excellent travail, les données sont prometteuses. On passe à la suite? Ouais, pourquoi pas. Parfait. On va passer à un exercice de médecine de campagne. Iris, fais venir le patient. Le voilà qui arrive. Attends, je l'ai salué là, il va où? Pas avec celui-là, il a l'air bien. Et... Nous avons droit à une magnifique journée. Aide-le à se relever, Del. C'est pour la science. T'inquiète, j'ai compris, je suis là. Je vous remercie de m'être venu en l'aise. Bon, je te préviens, le prochain entraînement risque de piquer un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais non, regarde, hop là. Dave. Oui. On va où? Devbot, enlève-le! Démon, cela ne fait pas partie du protocole d'entraînement. Tu ne serais pas en train de t'amuser avec le lieutenant Wolf. Allez, on va aller chercher. Ignore-la, petit. Je crois qu'elle débloque un peu. Citoyen, il semble que vous ayez besoin d'aide. Ouais, bah, t'attends quoi là? Con, merde. Bah. Pour moi, utilise la tronçonneuse de ton Lanzor. Sérieux? On marche. Merci petit, t'en fais pas, on s'occupe. Bon, je pense qu'on est bon là, on peut partir en mission. Rejoignez, on peut commencer. Prêt, continuer. Ouais. Le déjeuner. Bah, est non, terminé. On peut continuer. Ah, je préfère ça. Iris, lance le module d'entraînement suivant. Préparation en cours, Démon. Prends un destructeur sur leur atelier. Non, j'ai l'impression que ça va me plaire. Viens voir, papa. Élimine ces veilleurs. J'ai besoin d'un max de données sur le combat rapproché. Voilà. Admire le travail. Unité opérationnelle. Le destructeur est fait pour le combat au corps à corps. Par contre, la gestion des impacts est meilleure. C'est mieux, hein, c'est vraiment mieux. Voilà. Norme de sécurité citoyenne. Oh là là, hop là. Ça part bien. Dans les jambes, dans les trucs, ça part bien. Voilà. Iris, le module 7 aurait besoin d'un bon coup de nettoyage. Bon, prêt pour le module de corps à corps? Eh, hey, j'étais prêt à la naissance. Tu peux compter sur moi. Contente-toi de suivre Dave. Attends, regarde les décors quand même, en même temps, c'est quand même beau hein, quand tu vois là le champ là et... C'est quand même beau. Et là on est dans un truc d'entraînement, je veux dire par là que... Bon pour le moment on n'est pas dépaysé d'un Gears hein, franchement par rapport aux 4. T'es pas dépaysé, par contre c'est bon, c'est toujours aussi beau quoi. Pour éliminer le devbot désactivé. Ça me paraît un peu déloyal mais d'accord. Il est où son devbot là? Allez là, d'accord. Donc il est à terre, récupérons des données d'exécution. Je l'ai fini. Impressionnant. Voilà. Il y a de l'huile partout. Impressionnant. Bien. Mais c'est vrai lui. Ah, on peut passer là. C'est parti. Bien, mets-toi à couvert derrière le prochain veilleur. Ok. On fait un soubresaut. Voilà, je fais un soubresaut. Et tu plantes ton couteau. Et je plante mon couteau. Il me ferait presque de la peine. Et l'apprentissage demande des sacrifices. Bon, est-ce qu'on peut partir de ce didacticien?
ciel. Je sais comment on joue, c'est votre kill. D'accord, je le suis, shoot, et je lui donne un coup de pied. Alors. Et tu plantes ton couteau. Et on plante le couteau. Et tu plantes le bâton. Et hop là, de lui là. Voilà, c'est super. Carnage mécanique. Oh, c'est vrai. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est, une vidange, c'est une petite vidange, une petite vidange lunette. Allez, allez, laisse-moi passer. Je sais que c'est par là qu'on continue. T'auras jamais assez de robots pour que ce soit un vrai combat. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Équipe-toi et on va commencer. Ouais, mais t'es chiant, mec. J'en ai pas. Ah non, non, je garde le mien. T'es fou, toi. Exécuteur, attendez, je les ai gardés ou pas? Ouais, ouais, c'est bon, bah, je m'en fous hein, de ce que tu... Non, je m'en fous de tes armes. Vas-y, on peut y aller. Il est où? Ah putain. Iris, lance la simulation de combat 12. Ah, c'est la dernière, j'espère. La simulation de combat 12 ne présentera pas de réel défi pour un gear du niveau du lieutenant Walker. Bah oui, tu sais que je t'aime. Laisse-moi avancer quand même. Simulation 13. Au pire, Dell passera une semaine ou deux à l'hôpital. Attends, l'hôpi quoi? Bon, tu vas voir. C'est quoi ça? Rejoins Dell et on pourra commencer. Ah, d'accord. Et où? Et bonjour à tes équipiers, petit. Salut, équipier. Bonjour, lieutenant. Oh, c'est fais venir leurs adversaires. Les unités ennemies ne vont pas faire semblant. Alors récupère-moi des données exploitables. On y va, les gars. Rien à craindre avec Dell. Ça, c'est bon. Ah, on va pouvoir jouer. Alors, ça arrive d'où? Ça arrive de là. C'est bien. Unité en plein déplacement. Agression active. Hop hop hop, tu vas où là? J'ai encore plein de trucs à faire apprendre. Bien joué. Une fois les mises à jour effectuées, la vermine va avoir une sacrée surprise. J'espère que t'as tout ce qu'il te faut. Je vais becter. Je vais bientôt commencer. Oh. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi, Iris. Je tremble à cette idée, Démon. Quand l'entraînement terminé. Ah oui. Bon, pour le moment, je peux pas dire que voilà quoi. Donc, bon. On va attendre, on va attendre, on va attendre. Pour le moment, c'est prometteur. Hein, je dis bien que c'est prometteur. C'est comme un Gears, de toute manière. Hein, on n'est pas là pour. On n'est pas là, je pense, pour redescendre de niveau. Allez, c'est parti, une nouvelle campagne. Hop, et on lance acte 1. Difficulté intermédiaire, et puis c'est bon. Un tir dans la nuit. Donc, qu'est-ce que ça donne ça? Bah, dis donc, je regardais un petit peu le test de Borderlands 3. Y a à boire et à manger, hein. Donc, je sens que ça. Ça va être un bon réchauffé tout ça, hein. Ça va être un bon réchauffé, hein. Précédemment dans Gears of War. Ah! Ah! Voilà, c'est parti! Ah, mais c'était au début ça. Ça c'est l'entrée.
De Gears of War 4, ouais. C'était au tout début. Il nous faut le fabricator. Je me contrefous de ce fabricator. Vous me prenez mes gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais court. La CGU va pas tarder. Vous m'aviez promis que vous voleriez le fabricator. Excellent. Excellent. Ça n'a rien à voir avec le fabricator. Alors, vous avez fait quoi? Jean nous a accusés de kidnapper des gens. Je sais pas ce qu'elle racontait. Amenez le fabricator dans la centrale et installez l'inverseur. Jean reviendra, j'espère que tu le sais. Il faut partir, vite. Maman! Kate, écoute, tu dois te cacher et après tu dois t'enfuir. C'est bien parce qu'ils font un petit résumé pour ceux qui n'ont pas joué à Gears of War 4. Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Bon, cela dit, c'est un bon résumé hein, parce que voilà. Ils ont oublié pas mal d'étapes et Et voilà, hein. Faut traverser le fort et atteindre la mine d'osmium abandonnée de l'autre côté. À la fois, on n'a pas à faire le 5 quand on n'a pas fait le 4. Il y a acheté quelques milliers de cadavres de locus après la guerre. Alors si votre vermine est liée à toutes ces larves, c'est là-bas qu'on sera. Alors, je suppose qu'on devra se débrouiller seul. Merde! Ah, je m'en souvenais plus de lui, tiens. Au moins, on est sûr de savoir d'où il venait. Et on sait où vont les écumes. Mon père est vivant et il est là-dessous, ok? Ouais, parce qu'à la fin on avait pris les gros robots là, on avait des gros robots. James, dans la cosse, je pouvais voir tout leur réseau. C'est toute leur ruche à la con. Et tout est connecté. Les locus, ils sont jamais morts, James. Kate, ta mère, est vivante. Où est-elle? Et j'ai vu qu'ils la traitaient pas comme les autres. Pas de cosse. Me libérer. Je meurs. Ça va aller. Elle voulait te confier ça. C'était à ma grand-mère. Je l'ai jamais connue. You. Bon bah voilà, on a eu un bon petit résumé là. On a eu un petit résumé du gameplay. Et là, ça y est, l'histoire enfin commence. Bon, je suis vraiment pas spécialement motivé pour faire un Gear 5, sachant que je les kiffe, hein, j'ai adoré. Mais comme là, je suis un petit peu dans ma période Sekiro, Dark Souls, Remnant et tout ça, il a intérêt à être bon pour qu'ils me disent bon, un petit gameplay de temps en temps. Parce que sinon, bon, je m'inquiète pas, je pense qu'il va être bon, mais faut qu'il soit très très bon, très très bon. Faut pas que je retrouve une redondance ou tu vois un truc qui me dit bon ouais bon voilà Gears of War quoi. Ah c'est quand même beau ça hein, regardez. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre en comme ça en plein écran là, on voit pas ma tête, là, on voit pas ma petite frimousse, au moins tu vois ça dénature pas tout cet art graphique. Très sympa, très très sympa. Ah, j'espérais vraiment qu'il soit. Enfin, j'espère vraiment qu'il soit à la hauteur. Et pour le moment, on est un petit peu dans de la bonne dégueulasserie. Donc, on est dans de la. On est dans du boyau, on est dans du. Dans de l'hémoglobine sanguinolente, puanteur, à bas et tout, là, tu vois, c'est impeccable. J'ai
bien l'impression que celui-là, il va être très mature, très très mature. Et on joue avec elle. Je crois que c'est la première fois qu'on joue avec une femme, Kate, d'ailleurs, dans pas un prête Gears. Pour ça. Elle peut à peine garder les yeux ouverts. Ne t'en fais pas pour elle. Elle peut le faire. Ah, ils ont changé la voix, tu vois. Bon, j'aimerais bien qu'on puisse atterrir pour voir un petit peu ces décors qui sont toujours exceptionnels. On est presque aux coordonnées de merde. Bienvenue à Azura. Pour le moment, c'est beau. Ça, c'est très... Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit. Environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Non, en général, quand ça tu dis j'ai dormi une demi-heure, une heure, tu dis ouais, t'as mal dormi, tu mais alors 8 et 9 faire. Minutes. Elle est de bon poil, je trouve. Hein. Elle est en forme, hein. Y a pas trop de cernes. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais. On va pas commencer à critiquer la bestiole, okay, quand même. Voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui saute en premier? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord? Ouais, c'est attends, ça. Attends, elle a du charisme, elle est impressionnante. Merci. La petite dame, quand même. Merci, Del. Sam, dis donc, dis donc, dis donc. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes? Ah, Dave, je peux plus le voir, hein. M'emmerder avec ton didacticiel, là, Dave, tu... Ok, contrôle, on se déploie. Ah non, je joue avec lui. Sérieusement ? J'ai un nom. Un tir... Ça, c'est beau, regardez comment et c'est beau, règles, franchement... Enfin, on en sera oh là là... Ah, ça a de la tronche, hein. Franchement, ça a de la tronche. Alors moi, ça... Dis-nous juste où déjà, tu... je suis conquis. Déjà là je suis conquis là, tu vois, c'est... Ouais. Moi je retrouve Far Cry 3 là, tu vois, les îles paradisiaques, tout ça, je kiffe. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'eau. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça? Ouais, on dirait. Emmenez Dave dans une salle de contrôle opérationnelle. Il gérera la séquence de lancement. Allez, moi j'y vais, hein. Je vous laisse les gars. Vous papotez, vous faites ce que vous voulez. Ah, c'est beau, regarde ça. Regarde comme c'est beau. Regarde la bête! Petit effet de lumière là, ouais, c'est bien, c'est propre. Hop là. Bon, excuse-moi les corbeaux. Le mec qui arrive comme ça là, coucou! Ah corbeau, ça faisait 3 mois qu'il était tranquille. Dave, ils m'ont donné quoi lumière. Là? Ah bah j'ai la totale, ok, ça marche. Oh putain, même l'effet de lumière. Oh, il claque. Il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la vermine. Hé, hey, attention. Oh merde. Oh la vache. Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre? Ah, pour le moment, je kiffe. Je kiffe, on s'emmerde pas. Suivre cette corniche. C'est vraiment très très bien. De Baird de lancer un satellite d'ici, il oui, me semble une petite un peu vidéo découverte. Là, les amis, je pense que l'on découvre quelque chose qui est quand même important à savoir. C'est est-ce que Gear 5 est vraiment détenteur de cet élitisme et donc le dernier de ces Gears à être le meilleur, tout simplement. Parce que à détrôner Gears 4, c'est pas facile quand même. Hein. Parce que là, quand je regarde Borderlands, qui je pense va être une bousasse totale, enfin, un Borderlands quoi. Il n'y a pas de changement, c'est ce que je veux dire. C'est que le jeu va être très très bon, va être très bien, mais on va être déçu parce que ça va être redondant, parce qu'on va pas trouver quelque chose de au niveau de la nouveauté. Donc, je vais le test plus ça, mais ça me dit pas grand chose pour le moment. J'ai un petit peu peur qu'il n'y ait pas de prise de risque de Gearbox et tout ça. Quoi. Ah,
Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des têtes de mort. On veut voir du Goa'uld. Hop. Alors là, on est on passé. Passe à travers. Bien sûr, on y va déjà. Même animation du tuyau, c'est tu bon, sais, avec, avec l'impact là, comme quoi, tu sais, il est en souplesse. Bien fait. Un petit détail comme ça, mais c'est un petit détail qui est dans l'immersion. Il y a encore des éboulements. Ouais, comme par hasard, c'est quand je passe. Surprise. Dave, envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire. Ah, ah voilà. Bah voilà. Eh ben c'est parti. Coucou. Ah, je peux peut-être le niquer en tronçonneuse, non? Voilà, du sang. C'est parti. Oh, attends, j'aime bien mon petit pistolet. Le petit pistolet, mais de rien, il est très précis. Enfin, il est très précis, c'est moi hein, que je suis pas précis, bien sûr. Oh, je l'ai mis. Oh non, on va pas faire de mal, faut utiliser une grenade là maintenant quand même. Oh. Ah, lui, il est discrètement là, là, il est en train de me la mettre. Alors, je vais mettre une grenade. Très bien. Allez, hop. Voilà. C'est bon, on les a tous eus. Baird, c'est confirmé. Le cimetière locuste d'Azura est actif. Merde. Ok, le condor reste en l'air. Faites-moi signe si vous avez besoin de renfort. Ah oui, donc là on est totalement dans la suite du 4. Pour l'instant, Delta terminé. Là, y a pas de locuste qui se sont barrés ou quoi que ce soit. Ils ne les ai pas tous détruits. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais là? Pardon, comment on fait là? Tronçonneuse, ma grande! Non? Je suis là, hein! Merde. Désolé. Ça doit être avec sa mère, ça. Kate, ces migraines sont. Ça ouais. Va, d'accord? On doit trouver le silo. Ils sont liés avec sa maman. Honnêtement. Pas l'air d'aller bien. Je vais survivre. Il y a trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le proto. Alors ce que j'aime dans les guerres, c'est que tu sais que dès qu'il y a ça, c'est que ça va morfler, quoi. Voilà. Oh, le beau bébé. Faut reculer, faut le démonter, lui. T'es fou, toi, ou quoi? Occupé. Ah Dave il est costaud hein. Non, je précise rien. Allez, viens là, toi. C'est bon, on les a tous eus. Enfin, attends, elle m'a mis le didacticiel, la musique se calme. Oui, bah, laisse-moi tranquille avec la musique. Oui. On a trouvé un des silos, mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore deux, et la lutte opérationnelle. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. T'as tout compris, mon pote. On peut pas y aller. Voilà.
Bon, impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste? On va le découvrir. On est à droite, nous on va à gauche. On va trouver ces silos. Ça marche, mais on reste en contact. T'es sûr de ton coup? Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée? Ouais, bien sûr. Attends, j'ai un truc vite fait. Ah bah oui, il m'a fait du caca là. J'arrive. Pas de panique, je suis là, hein, je suis là. Voilà. Le silo. Dale, la trappe. Saute. Tunnel d'échappement, mais ce qui sort du silo. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Des rejetons! Ah, eh ben les rejetons, on va les attendre. Voilà! C'est ça qu'on s'occupe des rejetons à la maison. C'est où? Il y en a d'autres? Allez, on s'arrête pas! Ah, il est surpris, lui! On va pas s'embêter avec eux, hein, franchement. Oh, ils ont pas trop aimé quand même ce que. Voilà! Il y a un petit rejeton! Bon, il faudrait peut-être le soutenir quand même derrière les gars derrière là. Voilà, du sang. Donc on va bien bouffer ce soir les copains. Oh que ça va être bon. Avec un petit coup d'échalote là, un petit rejeton échalote. Avec un petit vinaigre noix de coco. Allez, hop. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Non, rends-moi mon arme. Oh la erreur. Voilà. C'est ça. Profites-en parce que j'avais pas mon arme, saloperie. Allez, c'est parti. Oh oui. Bon, ils sont tous morts. Maintenant, trouvons un moyen de sortir d'ici. Voilà, bien, on a fait le travail. Ok. Alors, cette porte qui est ici. Ah, faut Dave. Dave, tu peux l'ouvrir? Tu sais quoi? Allez, vas-y, BB8. Si tu veux transformer cet endroit en ruche, qu'il le fasse. C'est une île isolée à des centaines de kilomètres de la côte. Notre petit BB8. Faut juste s'assurer que ça arrive une fois qu'on sera parti. Oh putain, c'est stylé ta petite araignée chalumeau. La classe! À jeudi, monsieur. Tu vois, Dave a pigé. À jeudi, monsieur. Enfin, le level c'est design, parti. Il est beau. Franchement, il est beau. On est, tu vois, on n'est pas du tout pour le moment dépaysé d'un Gears, non, d'un Gears 4. Gears plus comme moi que je kiffe. L'univers tropical, alors là, c'est super. C'est vraiment super. James, on est au-dessus de vous. Je vous vois. Ah, j'ai pas de. Ok. Ouais, alors le truc c'est que. Normalement, je peux faire ça, tu vois. Hop. Et. Rapproche-toi un petit peu. Ah, tiens, il y a ça là-bas aussi. Regarde. Hop là, viens mon copie. Et hop, couteau, schlac. Et schlacounette, ici. On est des Gears, nous les amis, hein.
Ouais, mais j'en ai pas. Alors c'est toi qui vas la faire celle-là parce que moi j'ai pas de grenade. Suivant. Hominidé. On va rester sur le côté droit. C'est parti. Hop. Voilà. Alors attends, j'arrive. Laisse-moi juste me positionner, mon grand, j'arrive. Voilà. Je vais essayer d'utiliser un maximum cette arme. Oula. Oula. J'ai été artificiel, moi, donc on va... C'est en bas, ce pazou, hein. C'est pas le feu d'artifice, là. Attends, j'aimerais pas aller trop loin avec mon arme. Ouais, non, attends. Parce que là, c'est pas drôle. Faut que j'aille récupérer mon arme. Je peux pas abandonner ma précieuse arme. J'étais pas ici d'ailleurs, donc attends, je récupère ça. Et je l'ai abandonné là. Voilà. Ça va marcher. Voilà. Ah. Eh ben c'est pas grave. Hop. Hop. Et là. Ah mais c'est à moi, oh. D'accord. On va faire celui-là. Ah bah ok. Il allait dire soyez les bienvenus, mais finalement non. Ça peut être trop le temps. Je t'ai eu. Oula, ouais, je tire dans les pâquerettes là. Attends, je vais reprendre mon pistolet, j'aime bien mon petit pistolet. Il a l'air mort. On est un peu occupés là. Allez-y tous les deux. Bien reçu. Attention, vermine. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. On n'a pas peur. Oh merde, un transporteur. Ah, on a peur. On a besoin de ces renforts tout de suite. On va gérer les outils là. Voilà. Eh vas-y, il me faut un Robocop là. Derrière avec triple tir, gardien avec triple tir. Voilà. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. On va les envoyer ces gardiens. Voilà, attends, ils font mal les gardiens, je peux t'assurer qu'ils font mal. Oh, les câbles. Ah ouais, ils font mal. Très bien ça. Ah ouais, ouais, ouais. Très très bon soutien. C'est vrai que c'est bien parce que finalement dans le 4, on avait réussi à contrôler, hein. Enfin, à battre d'ailleurs cette. Je sais plus comment ça s'appelle, cette confrérie là, cette organisation. Et maintenant c'est nous qui en profitons, donc ça c'est très très bien. On va devoir trouver un moyen d'ouvrir. Bah il va là-dedans le robot. Il m'emmerde pas. Comment je vais lui dire moi à Dev? Dev, tu rentres dedans? Dev dedans. Ah ouais, attends, viser avec elle, je check pas. C'est Dave, comme ça. Inspecte ce panneau. Voilà. Voilà, comme ça c'est plus sympa. Il va nous ouvrir. Alors pour le moment ça se passe très très bien. Une belle progression, c'est très cohérent, c'est fluide. Wow, Delta, vous pouvez me dire ce que Dave a...
pas du tout déçu là, vraiment c'est très très bien. A priori, il est en train d'ouvrir une porte. Alors, pourrait... Oui. Eh ben, en tout cas, la porte est ouverte. Merci. C'est très très joli, c'est détaillé. C'est pour moi comme le 4, par contre, hein, on est sur le même truc. Mais avec, bien sûr, un level design bien différent. Donc, une belle suite. Bah, je crois que je vais être obligé de le faire. Hein. J'étais venu le faire comme ça, faire ma petite promenade pour voir un peu ce que ça donnait. Bah, ça donne fort, hein, ça donne fort. C'est du Gears. Quoi. Ok. Wilco. Alors, plaque de CGU, Gears. En plus, c'est bien parce que là, c'est Gears. En fait, c'est plus Gears of War, tu vois, dans le titre. C'est Gears. Oh là, t'as mué, toi. Sérieux, ça se fait pas. Tu vois, parce qu'on est même content là. On fait un peu. Y'a rien, mais tu t'explores, tu. Ah bah attends, c'est quoi ça? Non, je croyais que ça bougeait. Bon, attends, il y avait quoi ici? Ah bah voilà! Bah voilà les copains! Ah ouais, c'est plus cher, là. Il est encore là, lui, merde. Voilà. Laisse-moi avec ma tronçonneuse. Et ici. Voilà. Oulala. Non, il est pas content. Non. Oh, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Allez, viens là, toi. Ah oui, t'es content, hein. Oui, il est content, le pépère. Oh, il est content. Regarde. Voilà. Pas de content longtemps. Bon, par contre. Ah. On va se mettre ici. Hop, tiens. Goûte à mon arrosoir. Bah, dis donc. Alors, mon grand. Tu mets une petite ballonnette comme ça là en trois quarts droit. Ah, tu vas prendre. Merci, bien battu. Voilà. Oh, je suis content. On va se prendre lui, on va faire lui. Y'a rien au-dessus, non, y'a pas un petit piège, un truc. Portez-vous ! Elle l'a lancé où ? Ah d'accord, c'était le. Ok. J'avais même pas vu le truc partir. Bon, en soi, c'est pas grave, hein, tu peux pas non plus m'en vouloir. Oh, j'ai envie d'aller voir ça deux là au cinéma, tu veux pas savoir. C'est fini. Maintenant, trouvons ce bureau. C'est censé ressembler. Maintenant, on va fouiller un petit peu quand même. J'en sais rien. J'imagine une grande porte avec une plaque et le commandant écrit dessus. Ouais, bien sûr. J'aurais dû y penser. Quel dialogue ! Alors, coalition confidentielle. Ah, ça fait du bien quand c'est calme. Hein. Bon, très bien, très très bien. Tu vois là, la petite découverte, super sympa. Il est excellent, très très bien. Mais la porte est fermée. La munition de lanceur, voilà. Robot. Alors, où est le trou? Il doit y avoir. Ah là, ici. Allez, 8, tu vas là-dedans. Bon, Baird veut les données manquantes, c'est ça? C'est censé ressembler à quoi? Bon, et ben si on les a extraites du réseau, elles doivent être sur une sorte de disque dur externe. Bien joué. Voilà, ok. Schéma de rayon de l'aube, donc c'est ce qu'on voulait. C'était
c'était le schéma. Là, ça me donne plus rien. On va poursuivre par ici. Et le bureau du Führer. Dave. Mon bébé 8, il est costaud. Moi, je peux t'assurer que mon petit bébé 8 là. Et contrôle, bonne nouvelle, on a trouvé le disque dur. Il est pas mal du tout. Bien joué, Delta. Et vous savez ce qui nous ferait plaisir ? Des renforts. Quoi ? Ah, c'est en train de morfler, c'est en train de morfler là. On l'a trouvé. Et on est encerclé. Ah merde, on arrive. Allez, go. À la castagne. Ah, je suis content parce que je me suis tapé ce didacticiel qui est un petit peu long, mais là ça y est, on retrouve vraiment le punch, le dynamisme. Et avec peut-être un petit peu plus de violence que le 4, mais putain, qu'est-ce que c'est beau, franchement. Alors, on a un lance-grenade. Ouais, ce qui m'embête avec ça, c'est qu'après, putain. Oui, bah je sais, pour que je récupère mon arme, après, ça m'emmerde. Ça me fait chier en fait. Donc, je sais pas si. Alors, on va se le mettre à la place de ça. Au moins, le pompe, je l'utilise pas régulièrement. Donc, après, bon, on peut quand même faire ça. Et voilà. Allez, on est full. C'est parti, mon kiki. Hop, c'est cadeau. On peut pas vous laisser seul 5 minutes. Je suis mort de rire. Aidez-nous à faire le ménage. Hop là. Alors, on va les aider quand même. Hein. Oh, que c'est bon. Hop. Ah, bien joué, monsieur esquive. Planquez-vous. Allez, boum. C'est passé. Attends. Ça va marcher. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, c'est bien ça. Ah oui, non, c'est pas une connerie, c'est une belle arme. D'accord, bon, bah on l'utilisera un petit peu plus tard. C'est bon. Voilà, on va l'utiliser un petit peu plus tard. C'est sympa d'être venu nous voir. Oh, pas de problème, la fusée est intacte. Lance-grenade, hop. On croit ou non. Hop, bien. Voilà. Pour que Dave se connecte. Si ça fonctionne, il avancera le lancement. Voilà, le petit lance-or, là on a le Chaos Max. On est bien, là les amis, on est bien, on est super bien. Contrôle, on y est, tu peux lancer la séquence. Très très bien, il tourne très très bien ce petit Gears. Hein. Delta, on a un problème, la trappe du silo elle s'ouvre pas. Évidemment, je savais que c'était trop facile. Père, les options. Tirez-vous, les pentes planées vous protégeront pas de l'explosion d'une fusée. Ok, alors on annule. On bouge. Alimentation hydraulique externe activée. Non, on va ouvrir cette trappe. Qu'est-ce que tu dis? Écoute ton père petit, vous pouvez pas rester là. On a accepté la mission, alors on continue. Test de mise à feu. Ah, voilà un peu de sport. Ouh, il avait pas trop envie. C'est la dernière fois que je te suis comme ça. Ouais, ouais, on dit ça. Allons ouvrir cette trappe. Ah, voilà. Il l'a un peu mal pris, quoi, le mec. Alors, c'est quoi? Oh là, c'est dégueulasse. Je sais pas. Il doit y avoir des commandes manuelles en haut. Trouvons un moyen de monter. D'accord. Pas bien visé. Voilà. Bon, finalement, j'étais peut-être pas. Bouge! Oh là là, bah c'est moi le mec, voilà le casse-couille. Bon, vas-y, c'est bon. Laisse-moi jouer tranquillement. Ah, il est pas croyable lui, hein. Il m'a pété ma zone de confort. Ah bah attends. Vas-y, Dave. Voilà. Il peut aller venir te chercher les armes, Dave. Il est costaud, ce petit Dave. Petite munition. Lancez-vous ! Ramassez-vous !
on est pas mal. Bon, attends, il joue avec qui? Oh merde, on ferait mieux de se grouiller. Non, tu crois? Ah, moi je veux bien, le truc c'est que... Faut que je passe par où là? Ouais, bah je... allez Dave. Il y va, il y va, il y va. Arrête de paniquer comme ça, il y va. Hein? Voilà. Oups. Allez, Dave, il va nous le faire. Dave, ça a combien de moteurs une fusée en général? En général, 4. Il est quand même pas mal détaillé, franchement. Ah, les effets de lumière, le truc, enfin. On fait le tour, allons-y. Vraiment très très sympa. On fait le tour de quoi? Bon, ça je m'en fous. Ah, attends, elle est où là? Non, je l'ai pas là, hein. Ah, attends, j'ai pas bien compris là. Ah bah non, c'est bon, oui, on passe par là. Mais on fait pas le tour, on passe à côté. Explique-toi correctement quand même. Ah ouais, les effets de particules et tout, c'est impressionnant. Bah, je suis sur l'échelle, hein, je te signale, hein. J'ai trouvé. Les rejetons sont partout. Allez, venez, 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 petit loulou. D'accord, c'est tout? Ah bon. Oh merde! Allez. Lancement dans 15 secondes. On y va! Vite! Lancement dans 10 secondes. Voilà, on a réussi à s'en sortir. On n'a pas le temps. Ah non, mon robot. Non, non, mon BB-8. Il va s'en sortir, Dave. Je lui fais confiance. Il va mettre un coup de jus là. Il est costaud, mon bébé 8. Mais c'est pas sa faute. Et voilà, super. Un robot, c'est aussi humain qu'un humain. Oh, je suis désolé. Bon, chapitre 1, je pense qu'on l'a fini. Assez mouvementé. Très très bien, très très bien. On aura tout vu. Aucune déception, on est toujours sur cette lignée de Gears. Et graphiquement, par contre, c'est joli. Hein. Graphiquement, c'est vrai que c'est joli. Sam, on est prêt pour l'extraction. Bon, il lui en va un petit peu. Alors. Ouais, hop. Même la mise en scène, hein, comment c'est tourné, comment est-ce qu'ils amènent les choses, enfin, franchement c'est... Pour le moment c'est du bon boulot. Bienvenue les enfants. Ah ouais. Ah au fait, Jean est au courant de votre petite escapade au pays du rayon de l'eau. Et comme je l'avais prédit, elle est pas super contente. Maintenant qu'elle a fini de hurler sur moi, elle veut tous vous voir, sans exception. Bien reçu, contrôle. C'est l'heure de la leçon de morale. Ah ouais, c'est beau quand même, hein. James,
Et si je parlais à Jean d'abord? Histoire de calmer le jeu avant que tu la briefes. Ne me dis pas que le sergent Phoenix est devenu diplomate. Appelle ça comme tu voudras, seulement on est en guerre, même si ça se voit pas encore. On doit être sur la même longueur d'onde. Oui, c'est sûr, enfin, si tu penses que c'est mieux. Vas-y. J'aurais apprécié que tu sois aussi coopératif quand on était au silo. Ça a pourtant marché, non? Écoute-moi, James. Un conseil. Arrête de vouloir être le meilleur. Ne fais que ton boulot. Papa, j'ai pris un risque nécessaire. Nécessaire, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre option. C'était pas nécessaire. Et tu le sais. Qu'est-ce qu'il te voulait? Ah bah... À ton avis? Ah oui. La même chose que d'habitude. Hé hey. C'est juste qu'il tient à toi. Pourtant, oui, j'ai même l'impression qu'il tient beaucoup plus à toi qu'à moi. Ok, ouais. Bon, nous, on va à l'intérieur. Viens, Dave. C'est dégueulasse de dire ça. Ouais. Je... Désolé. Tu sais... Vous vous ressemblez bien plus que tu ne veux l'admettre. Bon, bah... Les données sont devant petite toi, tension, Aaron. Petite tension. Mais attends, c'est fini? Je pensais que ce satellite se connecterait automatiquement aux anciens. Ils n'arrivent pas à les trouver. En l'absence d'envoi régulier de télécommande, la précision du suivi se dégrade. Merci beaucoup, Iris. L'intonation de ta voix ne correspond pas au sens littéral de tes paroles. J'en déduis qu'ils me remercient pas. Tais-toi, pitié. Bon, j'ai pas encore réussi à localiser les autres satellites du rayon de l'aube. Mais la bonne nouvelle, ah, même lui, il est costaud, c'est que j'ai accidentellement créé une IA qui comprend le sarcasme. Tiens, le disque dur que tu voulais, ça t'aidera peut-être. À trouver les satellites? Je pense pas, mais je regarde ça. Attends, on a fait tout ça pour rien? Oh non, il va tirer. Mais avec un seul satellite en l'air, ça va être dur de contrôler le faisceau. Qu'est-ce qu'il a, Dave? Dave a des petits problèmes. Ah, mais quoi comme problème? Ce genre-là. Ah, je sens que je vais regretter ça. Les gars, voici le nouveau Jack. Où est-ce que t'as trouvé le temps de construire ça? Où j'ai trouvé le temps de construire ça? C'est mon boulot. Je m'efforce de créer des trucs que vous négligez tous et que vous finissez par casser. Et il a quoi de différent, celui-là? Nouvelle palette de comportement, meilleur scanner, armement supérieur et module de soutien. Il est unique en son genre. Et là, il est à vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un milliard de satellites vieux de 40 ans à retrouver. Damon, il n'y a au total que 15 satellites manquants. Merci, Iris. Encore un exemple de sarcasme à ajouter à ta banque de données. Avant de commencer, Damon, le module de combat que tu as brillamment conçu est désormais prêt. Mon emploi du mot « brillamment » était sarcastique. Est-ce que ça a marché? Oh, il va plus bien, notre copain, là. Vous devriez installer ce nouveau composant tout de suite. Dave sera prêt au combat, comme ça. Non, je sens que ça va plaire. Ça équipera Jack de ce que j'appelle le flash. Il aveugle et étourdit l'ennemi. Ok. Ouais, ça peut être pas mal, effectivement. Du coup, on a l'impulsion, donc voilà, et donc c'est la flash. Équipée. Installée et équipée. Alors, comment ça marche? Je vais vous montrer, suivez-moi. Bon, prends une arme et mets-toi à couvert. Je vais lancer le test. Ah, nickel. Obligé. Iris, active la séquence alpha 3-3-1. Certainement, Damon. Bien,
Imaginez qu'une cible commence à prendre racine à couvert. Le flash de Jack on y va. De régler le problème. Voilà. Et à cible bleue. Séquence de test terminée. Ah, ça peut servir. Maintenant, on va essayer avec des cibles multiples. Iris, active la séquence alpha 3-3-2. Tout de suite, Démon. Oh, attends, j'en ai eu un, j'essaie, non, t'inquiète pas. Quand il sera rechargé, vise-les à nouveau. Ok, pas de problème. Rechargement initialisé. Bon, attends, on va pas quand même... Voilà, c'est bon. Rechargement. Jack, lâche. Allez, mon Jack. Oh, deux d'un coup. Solide. Cible engagée. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, lui, on va le finir. Allez, vas-y, viens. Bon boulot. N'hésite pas à recommencer si tu veux. Non, non. Séquence de test terminée. Te vexe pas, JD, mais Jack est mon meilleur ami maintenant. Je suis content pour vous. Mais je voudrais que vous reposiez vos armes sur le râtelier et que vous fichiez le camp. Maintenant. Et on est poli, lui. Tu veux te débarrasser de nous ? Ah, t'as remarqué ? Au fait, tu peux améliorer les capacités de Jack avec les bons composants. Avant d'aller voir Jean, passez par l'armurerie. Et un autre composant, vous pouvez emprunter. Oh, ça, on n'y manquera pas. Bien, je vais pouvoir me remettre au travail. Ce que Damon veut dire, c'est qu'il... Bon, pour le moment, c'est pas mal, hein. On peut améliorer notre robot. Merci, Iris. À plus tard, Baird. Allez, les gars. Pas de soucis. Faites ce que vous avez à faire. Ok. Allez. Hé, hey, Faz. Alors, c'est comment d'être le larbin de Jean? Super. Et puis, on peut pas tous partir. Oh, mission secrète. Ah ouais? Et comment tu sais ça? Ici, c'est une armée. Pas un monastère. Ouais, ok, mais moi, je vois qu'il faut surtout pas te déranger pendant ton combat épique contre cette machine. Fin d'entraînement. Attends un peu, bâton. Bâton merdeux. Explique. Je sais pas. C'est peut-être une brosse à chiottes d'un nouveau genre. Ou juste un bâton fait avec de la merde. Ok, va te faire foutre. On va rendre les choses plus intéressantes. Toi et moi, en duel, maintenant. En quoi ça serait intéressant de te mettre une raclée? Oui ou non? Tu veux jouer? Quelque chose me dit que ce que vous allez mesurer, c'est la taille d'un organe que j'ai pas. Alors, je crois pas. Trop drôle. Alors, c'est oui ou c'est non? Oh, c'est oui. Allez, mec, on récupère le module de Jack et on se tire. Non, ça va être drôle. Fils de... Alors, tu trouves ça toujours aussi drôle? Essaye encore, Faz. Allez! Tu sais quoi? C'était le bot qui s'entraînait avec toi. Mais il peut pas te battre. C'est pas dans son programme. Et ça explique... Merde. Ton excès de confiance. Et un tas d'autres choses. Tu veux un conseil, Phoenix? Merci, non. Jean a toujours eu ses chouchous. Mais il dure jamais. Tu vois, c'était drôle. Va te faire! Bon, allez, maintenant que tu t'es bien amusé avec Faz, on peut aller chercher... C'est l'ambiance dans les Gears, hein. Attends, du coup, je peux quand même le fouiller, lui. Ce Kuba, c'était magique, mon pote. Magique. Bon, bah voilà, hein. Bon, je vais m'arrêter ici, les loulous. Je vais m'arrêter là, et puis voilà, on va arrêter ce petit stream. Bah voilà, c'était une petite découverte de Gears of War... Enfin, de Gears 5, attention, pas de bêtises, qui est vraiment... Bah bien parti, si je trouve que c'est pas mal. Je sais pas quand est-ce que je vais refaire un gameplay là-dessus par contre, mais il est vraiment exceptionnel, il est vraiment très très cool. Je vous dis à bientôt, ciao, ciao.